Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la version globale de Dokkan Battle pour le Super Battle Road Terrien. C'est à peu près la même team que j'ai utilisée sur mon compte Jap, à l'exception de ce Krillin qui a la garde activée, enfin 50% de chance d'avoir la garde activée. Et s'il a la garde activée, il a une réduction de dégâts, donc il est pas dégueu. J'ai pas Videl, donc en termes de DPS, ça sera pas exceptionnel. Donc on va voir ce que ça donne. De mémoire, c'était un Battle Road qui était quand même un chouïa long, parce qu'en fait, on n'a pas forcément beaucoup de pec. Oula. Bon là, on va essayer de stun. On va essayer de stun lui. Paf. Ensuite Krillin, faut pas qu'il parte avec l'aspect ultime. Et là c'est mort. C'est déjà mort. Sinon je fais ça. Et je serre les fesses pour ne pas devoir. Il stun ou il bloque l'aspect lui? Il bloque l'aspect. Et il debuff. Et il debuff. Bon bah on va bloquer l'aspect de. Bon tu sais quoi? Master Roshi, je compte sur toi. De toute façon, on ne vit qu'une fois, non? C'est ce qu'on dit. Putain, merde, j'ai l'aspect ultime. Oh shit, je suis mort. Ah non, j'ai pas vu. Il le stun pas. Oh shit. J'ai pas vu, en fait il avait plus de lien avec le ki. Bon, on a bloqué l'aspect des deux, mais je vais me prendre une patate à 100 000 là. Oh shit! Oh là là. Ok, midlife, ok. C'était calculé, c'est pour grailler Fat Boozer. Voilà, on a graillé Fat Boozer. Ma joue bogos. Garde activée, bim. Oh là là. Enchaînement de soins. Très bien. Bah du coup, spé bloqué. Paf, on va débuffer ses grands morts. Et puis, vu qu'il est tout seul. 91 000. Vu qu'on va le débuff, ça devrait aller, non? Là, on est en mode no item. Là. On a peur de rien, nous. On est des fous. Le Krillin ZTR qui s'achète chez Baba, les amis. N'oubliez pas. Quand c'est gratuit, on prend, ça mange pas de pain. Ou peut-être pire idée. Bah il débuff hein frère. Il débuff, regarde. Ça va 15 000. Non mais c'est un mini Senzu les amis. C'est un mini Senzu. Petit Senzu, tu vois. Ah. J'ai trop de liens. Je vais peut-être faire ça là. Bon, si je mange une spé, là, par contre, potentiellement le décès. Là, on le stun. Ok. Là, faut juste qu'on se mange pas à la spé tout de suite. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Migaté nos Master Roshi. T'as pris sa tank. Ah non. Ah non, il a pas stun. Eh, 70% frère, déconne pas. Sa tank, pourquoi je l'ai pas ramené sa tank? What? Voilà, et de toute façon, il est stun. Mafuba. Eh, pour l'instant, ça se passe. Hein. En fait, quand je l'ai fait à l'époque, il n'y avait pas encore ce ZTBR. Donc forcément, ça joue, tu vois. Ah oui, par contre, le stun ne dure qu'un seul tour. Faut le savoir, ça. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il est mort. Bon, le Krillin, il fait pas de dégâts. Mais il fait le taf. Et Takari, je sais pas si j'ai beaucoup de doublons. J'avoue, aujourd'hui, le ramener en vrai. À la place de Krillin, il est quand même plus solide, sa tank. Après, si. En fait, tout dépend si Krillin, il a la garde activée. S'il a la garde activée, c'est Bojo. BG. S'il a pas la garde activée, c'est DC, quoi.
Oula, alors là, là faut qu'on couche Kibito. Faut qu'on le couche. Ensuite, lui, Punk à chien. Punk à chien, ça dégage. On va quand même Roberto Wissou. Hein. Parce que si Kibito, il m'envoie une patate dans la côte, là, ça va faire mal. Ouf, ça va. 35 000 quand même. Allez, Master Roshi a été une des rares unités à 110, avoir 110% de chance de stun. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Double stun, on est bien. Ça dégage. J'ai claqué un item de manière parfaitement intelligemment. Alors, double stun. Alors lui il bloque l'aspect, hein. Donc on va essayer de bloquer l'aspect de quelqu'un qui pose problème. Je vais peut-être le garder en vrai. On va bloquer l'aspect de qui? Kibito Shin. Comme ça il ferme sa bouche. Et le punk à chien il doit mourir. Allez, boum. Faut que je... Profitez-en hein, les amis sur la globale hein, de la jauge d'Okan qui est longue comme ça parce qu'elle va être rétrécie dans pas longtemps. Quand il y aura la version Z, elle va être coupée en deux. Ça va être très chiant en vrai. Allez, lui potentiellement il peut stun avec son petit carnage là. Ouais, j'ai la Switch. Oh, j'ai stun là. Mais je dois déjà faire Metroid Dread avant de commencer d'autres jeux, je pense, sur Switch. Oh! Oh le Krileng! Oh le Krileng! Le Krileng qui nous a. Alors je sais qu'ils n'ont pas de lien, je le fais exprès. Hein. Alors, on va continuer de stun. Lui. Faut pas qu'il se réveille. Et on va essayer de tuer l'autre, hein, tout simplement. Allez. Non mais là, pendant un mois et 10 jours, je pouvais rien faire, les gars. Là, j'ai installé House of Ashes en 5 minutes, ça m'a fait plaisir, tu vois. Vous vous rendez pas compte, quand on n'a pas la fibre, qu'on doit être en 4G, avec un débit éclaté, je pouvais vraiment rien faire. Hein. Je pouvais pas mettre à jour ma PlayStation. Ah oui, quand j'ai eu la fibre, quand j'ai récupéré la fibre, j'ai pu mettre à jour ma console, installer des jeux, etc., etc., tu vois. Sinon, ça a la galère de ouf. Il y a l'aspect bloqué, donc ça devrait aller, je pense. L'autre il est stun. Ouais, c'était peut-être tué lui là, non? Et on va bloquer l'aspect de ce dernier. Attends. Ouais. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Oh, la garde activée! Donc quand on attaque en première position, c'est 50%. Donc là, le Krilin, il est bien là. Ouais, on ne craint rien. Pas mal du tout. Du coup, j'ai plein de jeux que j'ai reçus Day One, mais que je pouvais pas jouer parce qu'on n'a pas de connexion pour installer le jeu, tout simplement. Tu es là depuis Vegeto God Tier. Ah ouais. Ça date, ça. Oh là 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 là. Oh la grosse patate que j'ai mangée là. Alors, je vais bloquer ici. Si Kibito il m'envoie une spé, j'avoue que j'ai pas kiffé. Mais bon, on va essayer de stun lui. Ensuite, on va partir avec la première spé. Il faudrait que je le tue. Je vais quand même me soigner. On sait jamais. Bon, j'ai la jauge de canne qui s'approche un peu trop là. Si je pouvais le garder pour la troisième phase, ce serait cool. Hein. T'as envie d'acheter la Switch? Non, il y a des bons jeux. Hein. Franchement, Metroid, ça a l'air une dinguerie. Les Pokémon. Moi, je suis pas très Pokémon de base, mais apparemment, les deux épisodes qui sont sortis là, ils ont l'air pas mal. Sinon, il y a les Smash Bros. Les Mario Party.
Non, t'es sérieux, il lui reste un trait. Non, oh, j'y crois pas, les gars. Qu'est-ce donc cette fourberie, là? Donc, spé bloqué et l'autre, il est stun. Ok. Voilà, oh, on te tue, là. Ah, merde. Attention, j'ai le dos 4 mode, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Je pouvais pas l'esquiver de toute façon là. Ah, c'est ça le problème, on n'a pas beaucoup de DPS donc. Attends, je suis full live donc dans tous les cas. T'as switch et prends la poussière. Ouais, mais ça dépend. Ça dépend. J'avoue que une fois que j'aurai fini mes Metroid. Après, il me reste. En fait, si, il y a quand même Mario Kart que je joue de temps en temps, mais sinon. En fait, j'avais beaucoup joué, beaucoup rejoué à la Switch avec Pokémon Unite. Pokémon Unite qui m'a donné envie de jouer à LOL, de reprendre LOL. Incroyable. Oula, j'ai trop de kills. Hein. Ok, là, je peux le stun. Peut-être faire ça, non? Mieux bloquer sa spé. Bon là c'est un peu relou là. Il est debuff mais attends. Ouais, tu sais quoi, on va le tenter. Hein. On va perdre beaucoup de PV là. Sauf si on le tue. Ouais, j'avais déjà fait des courses, des soirées Mario Kart avec les abonnés. Ah, dommage, il n'y a pas de double SP. Nice! Parfait, comme ça on le tue. Parfait. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Pour un premier essai. Après, Mario Kart, faudrait que je vois pourquoi j'ai un petit décalage. Du coup, c'est un peu chiant. Alors. Si j'ai pas la garde activée, je suis mort. Hein. Clairement. Là, je pense qu'on va Whis, parce que si la garde n'est pas activée là, c'est direct en rentre chez nous, les gars. 50% depuis tout à l'heure, il a activé la garde. Ouf, c'est bon. Incroyable, incroyable, regardez-moi ça. Krillin, il tank avec son crâne luisant là. Vas-y, Whis, frappe le crâne chauve, le crâne solide, le plus solide de France. Pouf, ouais, magnifique. Quoi, mais le Prime Battle devant Whis et c'est claqué. Le Prime Battle. Ah, le LR. Non, j'ai pas compris. Oh, attends. J'ai stun, Whis, ok. L'autre, il est pas debuff, mais sa spé est bloqué. Putain, j'ai trop de kills. Hein. Je vais peut-être faire ça. Attends, il a combien de def lui? 86 000. Ouais, ouais. Je suis toujours sous Whis. Donc je peux potentiellement faire ça. Je vais le debuff comme ça. Et... Ouais. On neutraliser le chat là. C'est utile. Hein. Ah, le Krillin, oui, quand il active la garde, il est solide. Hein. Ah, je dis pas le contraire. S'il active pas la garde, là, on va pleurer. Bam. Pas dégueu. Hein. Vivement son ZLR. Histoire de donner un second souffle.
Alors. Donc, lui, il est stun. Très bien. Donc lui, une fois qu'il a plus son truc, là, il fait quoi? Il bloque la spéciale. Très bien. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est bloquer Whisou. Bon, je vais quand même claquer un item. Il m'en reste plein. Allez. Ça oui, il ferme sa bouche là. Hop là. Krillin, il a que 30% je crois en attaquant en seconde position. C'est lui Roberto Lyotard. Bim. Ah ouais, à chaque fois, depuis tout à l'heure, ah ouais, là, pour l'instant, le Krillin, il a 100% d'activation de la garde, là. Incroyable. Ah, le stun qui passe sur Whis, incroyable. Incroyable. Bah, on va mettre lui, hein. Je suis encore sous item. Je vais le debuff, comme ceci. On tente de le stun. Et on le finit tôt. On finit le chat, il restera plus que Whis à gérer. What? Ah oui, c'est vrai. Je suis encore sous item, donc ça va. Salut Onibaka-chan. Allez, on stun. C'est dommage. Oh, double SP. Bah, si on pouvait stun Whis, ça serait parfait. Non, dommage. C'est dommage. Ah mince. J'ai quand même Whis. Drake. En fait, j'ai pas confiance, hein. J'ai toujours peur des 50% là. Aïe, aïe, aïe! Il a pas activé la garde. Ah ouais. Ah, j'ai failli mourir là. Ouh là là. Ah ouais, c'est pas passé loin là. Ah, c'est pas passé loin. Faut pas oublier que les 50%, c'est 50% d'activation et 50% de non-activation. Oh, j'ai failli mourir là. J'ai failli canner là. Pas loin des 5 subs. Ah, j'ai le Fukatsu. Bah, c'est tranquille. Non, je voulais voir le Fukatsu, les amis. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Le cœur s'activait là. Enfin, c'est activé. Eh ben non, même pas. Tes paupières sont lourdes. J'avoue que le run est très long. Hein. Bon, après, on n'est pas obligé d'avoir Videl. Hein. Mais en fait, ce Battle Road sera encore plus simple plus tard parce que. Comment il s'appelle Mai. Mai passera ZTR, la agilité là. Elle a aussi 70% de chance de stun. Videl, intelligence aussi, elle va passer ZTR. Bref. La catégorie va prendre un sacré up. On est d'accord que les ZTR des filles Saint-Valentin, c'est pas encore actif. Hein. Je crois que ça a été ajouté dans la base de données, les médailles, mais je sais pas si ça a été activé entre temps. Ouais, c'est ça, c'est pas encore activé. Enfin, c'est pas encore disponible. Je sais qu'ils ont ajouté aussi Margarita et l'autre là. Alors qu'à tout moment, il peut balancer le truc. KSP bloqué. Continue le stun. Hein.
Bon, on est en Tanabata. Vidéo intelligence. Non, celle qui est pas free to play, celle la Saint-Valentin là. Celle qui debuff. Est-ce qu'il y a une vidéo intelligence? Non, non, je parle de la Saint-Valentin. Bon, bah, les amis, first try. Franchement, c'était quand même plus facile sur la globale parce que. On a le ZTR l'autre là, le ZTR Tenshin Han Master Roshi. Bah, qui est vraiment pas dégueu. Et puis ce Krillin. Non, en fait, ouais, c'est quasiment la même type que j'ai utilisé, sauf qu'il y avait. J'avais pas encore. Enfin, le Tenshin Han Master Roshi n'existait pas encore. ZTR. Donc voilà, les amis, dites-moi quelle est la composition que vous avez utilisée. Franchement, c'est une des teams les plus free-to-play friendly possible. Hein. Dans cette composition, la seule carte non free-to-play, c'est le Master Roshi Tech, qui n'est pas forcément indispensable, même si bon, son stun garanti est vraiment pas mal. Mais sinon, c'est un bloqueur de spé, mais on a vraiment pas mal de bloqueurs de spé en vrai. Dans cette composition. Sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve dans la description. Et n'hésitez pas également à acheter vos jeux en passant par le lien Instant Gaming. Les jeux coûtent moins cher. Et puis à chaque fois que vous faites un achat, vous soutenez la chaîne. Donc voilà. Sur ce, à très très bientôt.